Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 509 ou connecté n'importe côté où yé. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travail là, capable avancer. Zami Pao Foucault. Pays la France décide l'ouvrir une enquête pressée pour le connaître de qui manier ak de qui manigans base 400 marozo arrivé kidnappé des prêtres origine française yo et mandé un total de 1 million euros on dirait ces dettes de l'indépendance là yo commencé payer pays d'Haïti dans cas ça parquet Paris a décidé confier enquête ça ak office central capitulé contre crime organisé pour le connaître dans bon ti mamite dans qui contexte base 400 marozo kidnapper moun sa yo. Mais comment enquête ça pral fait? Est-ce que c'est online? Si base 400 marozo pas décidé libérer prête yo 101 million euros, est-ce que l'armée française a vini chercher yo? Ou bien la police lui-même ak l'armée d'Haïti qui pral entreprend moun sa yo? M'pral ba ou détail. Premier ministre Joute Joseph sent-il frustré, indigné à cause la police fin maré yo équipe bandi li kebe la main dans le sac, eh bien juge yo même choisi libérer moun sa yo pour intérêt personnel yo. Li critique la justice tout à cause de CPJ kon fin cuisine yo moun malgré toute preuve tangible qui gagne, eh bien la justice choisi libérer moun sa. Premier ministre la continue pour le dire, m'pa ka comprendre. Nan pays ya pou gen 18 juridictions toutes paralysées, tandis que peuple la paye yo mette yo confortable pour yo capable ba yo service jouy yon paquet de privilèges et puis yo pa vle travay. Ki sa k la cause la justice, mesdames, mademoiselles et messieurs, temps en temps yo en grève? Ki sa k la cause la police fin mari yo moun et puis la justice li même choisi libérer? Ki importance et bien pouvoir judiciaire li genye nan pays ya? Ki jan la justice ta suppose a marché, on pral expliquer ou rale ti chèz ba ou chita confortablement, on pral bon tripotay yo nan bon ti mamite. Bonjour, bonsoir tout moun, comment nouye? Encore une autre fois, m'ap di merci. Merci parce qu'on fait confiance pour nous informer ou et merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne et merci parce qu'on partage vidéo, ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, sou fait tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo. Ses amis pa ou foukou. Hier, on a eu chance de présenter une devinette et devinette ça lui-même, c'est lettre N. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'était un plaisir, mais malheureusement, majorité fanatique, t'es perdu réponse. On dirait que devinette ça, t'es un petit genre compliqué pour divers fanatiques. Mesdames, mademoiselles et messieurs, mes nouveaux devinettes que ou gagné, pas hésiter à quitter réponse par là, dans le commentaire là, ça fait nous plaisir, en pile en pile. Moi immobile, tout temps vivant, même toujours promener, l'aime mourir. Moi immobile, tout l'aime vivant, même toujours promener, l'aime mourir. Pas hésiter à quitter réponse par là, dans le commentaire là, ça fait nous plaisir, en pile en pile. Bagay yo commencé mangomé dans pays d'Haïti. La France décide foure bouche dans dossier kidnapping dans pays d'Haïti comme base 400 marozo kidnappé des prêtres français ak divers lot. Nous connaît depuis ces étrangers kidnapping nan vin bon l'autre level, li vin pour l'autre phase, li pas national encore. Eh bien, c'est kounya la mois sans jour lui-même décide monter volume ni pi plus cause hier nous capable ouais non si vidéo que le publier l'a montré qui quantité zam ak cartouche ak soldat que le gagné elle même déclaré nan jour kap vini là Port-au-Prince pral gen zenada. Eh bien mesdames, mademoiselles et messieurs, paquet Paris a décidé l'ouvrir une enquête pour le connaître qui sac la cause yo kidnappé moun sa yo pour ka joindre lumière sous drame ça à cause des enlèvements séquestration bande organisée ça. Paquet Paris a informé que enquête ça l'a confié avec OCLCO qui c'est compétent pour les crimes commis à l'étranger contre les citoyens français. Selon dernier info yo, eh bien ravisseur mandé un total de 1 million euros en échange pour capable libérer groupe religieux ça. Donc mesdames, mademoiselles et messieurs, base 400 marozo qui dirigeait par la mort sans jour, yo accusé comme moun qui la cause enlèvement ça, communauté religieuse a fait appel avec ravisseur yo pour libérer tout membre société prêtre catholique yo, monseigneur Agnès Bordeaux ak prêtre Michel Briand. C'est nos deux ressortissants français qui victimes dans dossier kidnapping dans le pays d'Haïti. En tout cas, si la France fourre bouche,
Déjà, les États-Unis, lui-même, t'es déjà lagué à l'aide rouge, lui font gros quoi sous pays d'Haïti pour annoncer tout le monde qui a sorti dans le pays à l'étranger, aller l'autre côté, aller passer vacances l'autre côté, quitte où c'est haïtien, mais pas descendre dans le pays d'Haïti à cause personne pas épargné dans kidnapping avec Zak, assassinat qu'a fait chaque jour dans le pays. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, hier, ils ont tué un entrepreneur et Thibaut. Donc, malgré machine, monsieur était blindé. Mais, mesdames, mademoiselles et messieurs, situation vraiment critique dans le moment. J'ai l'impression que c'est seulement côté ange mondial, seulement pour ta qui entoure nous, qui la cause, en pile dans nous, pas passer à l'infinitif déjà. Parce que si nous avons une machine qui blende, malgré quantité qui a tout chauffé, ça n'a pas marché. Après ça, mesdames, mademoiselles et messieurs, son masou yo pren pour yo fon vite là, pour yo assumer yo que monsieur mouri. Donc, malgré yo t'ap fait tentative pour yo faire, pour yo prendre, pour yo kidnapper lui à la vel, donc yo pas capable, nan ka sa, yo krasé vite. Yo tire balle jusqu'à ce que yo tue monsieur. Donc, ou capable comprendre si que, ou ap vive, frère pa map toujours dou ça, c'est grâce, bon Dieu, parce que pays d'Haïti, franchement, dans ce moment-là, il est vraiment, vraiment compliqué. Situation vraiment difficile. Donc, sous pas grand urgence, pas qu'on rentre dans le pays d'Haïti parce que moi-même, je n'ai pas envie pour que vous ayez un problème à gauche, problème à droite. Si vous êtes à mes amis, ou à l'aise, pas tourner, pas venir comme ça, parce que situation vraiment critique. Parce que ça, vous fait nous, vous tellement stressé nous. Malgré que vous arrivez dans l'autre pays, vous avez intention, c'est dans le pays d'Haïti, vous vivez tellement paix. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, la France lui-même décide, mette notre sa d'ailleurs, pour le monde de l'amour sans joue, avec toute base liya, pour libérer toute membre société prête catholique, yo, à cause, nan jou qui était 11 ans, eh bien, les te font balé ou zèle prend 10 pour compte li. Et yo mandé un total de 1 million de francs. A ti cause de piti, non? Donc, dégagez au pressé pressé pour libérer yo parce que l'église catholique lui-même li déclare le pas gon goud la bay c'est pour dégager quel état combat ensemble avec gang sa yo nan pays ya pour dégager au pressé pressé pour libérer toute membre société catholique là. Mesdames, mademoiselles et messieurs, n'a continué, eh bien, premier ministre Joseph lui-même, li fâché. À cause, y a plagué bandit dans le pays, malgré yo kembe yo, la main dans le sac. Li fâché pour dysfonctionnement qui gagne dans l'appareil judiciaire. Elle critiquait le mouvement Jijo qui paralysait 18 juridictions qui dans le pays. Premier ministre l'a dit, il regrette à cause conseil supérieur judiciaire, et ministère justice là, pas qu'à arriver en temps. Mais c'est quoi l'histoire? Premier ministre là, critique justice là tout à cause de CPJ confine appréhende yon moun malgré toute preuve qui gagne, la justice choisit libérer le. Mais c'est quoi l'histoire? 24 heures après enlèvement divers religieux, premier ministre là présenté devant la presse pour le placer Mopal en tant que deuxième citoyen pays. Après le défi sorti dans une rencontre spéciale avec CSPN sous situation sécurité pays. Premier ministre l'a déclaré, li pas satisfait sous performance la police à gouvernement. Li déclaré l'a travail pour que yo capable améliorer performance là. Selon premier ministre l'a, décision ça prend nan rencontre li te gagné avec membre CSPN. Li déclaré, m'konnen ke ravisse yo a réfléchi en pile pour bay réponse à cause li fait détente toute vite machine et ça te fait vague kidnapping nan baisser. Donc yon seul week-end yo kidnappé 12 moun nan zone métropolitaine. C'est à cause absence la police. Côté qui t'a supposé gen 10, eh bien, c'est 2 policiers qui gagnent. Premier ministre te déclaré, hier, c'était une journée fait noir pour tout peuple haïtien. Premier ministre l'a déclaré, li rend compte de toute couche moun qui gagnent dans la société. Li mande pour yo discuter sous et sécurité a au lieu des politiques qui capable déboucher sous croissance économique pays a. Elle dit tout stress suffit pour touyer nous tout dans pays a. Plus loin, gouvernement dit la travail pour augmenter effectif la police là. DDO PNH là doit servir avec peuple là pour capable identifier vrai cachette bandi yo et pour améliorer condition la vie yo en dedans pays a. Li mande pour institution police là nettoyer pendant la capable éliminer toute mauvaise graine qui gagne en dedans
police là. Mesdames, mademoiselles et messieurs, moi invite au temps des déclarations Premier ministre Jude Joseph. La police là continue à identifier tout le monde qui a fait ça pas ça pour faire job li correctement. Moun qui a fait trafic zam avec munitions, ça les balles, ça les cartouches là. Quelle mesure qui prend déjà au niveau douanier? Nous te connaît tout ça que tu as gagné Saint-Marc l'autre jour. Mais nous allons continuer à renforcer mes usages. Que nous sommes contents, que nous pas contents, parce que, moi, je dis déjà, il y va du fondement même de la société haïtienne. Nous pas qu'à continuer comme ça. Les commissaires du gouvernement, c'est pour mettre l'action publique en mouvement, pour chercher les gens qui ont importé des armes avec munitions illégalement dans le pays. Pour qui ça me dit illégalement, c'est parce que gagné compagnie de sécurité qui est légalement reconnue par l'État, qui a le droit de commander des armes et munitions. Gagnant les deux forces reconnues par la Constitution de la République, qui c'est l'armée et la police, qui gagnent tout droit de commander des armes avec munitions. Le ministre de la Sécurité, de la Justice et de la Sécurité publique a été instruit pour que les familles, j'ai dit, les familles ou personnes qui ont été identifiées et qui ont mal et plaisir n'ont fait ZAM avec munitions, ça veut les balles, cartouches, entrées dans le pays, il faut que la justice appréhende et déféré devant leur juge naturel. Quand je parle de juge naturel, je suis tout entré dans le dysfonctionnement du système judiciaire en Haïti. Je parle plusieurs fois déjà sur ça où est les détentions préventives prolongées. La loi prévoit l'homme dans la prison, l'on arrête un monde pour quelque raison que ce soit, il y a une période pour le comparaître devant le juge naturel lié. Mais nous ne pouvons jamais respecter ça. Et je vais dire encore, il y a un pile de monde qui finit purger peine, qui entre dans la prison. Il y a un monde tout qui ne pas jamais juger, pas jamais paraître devant le juge. C'est en permanence dans la prison, mais pas carré l'île, détention préventive prolongée, parce que il n'y a pas 72 heures, il n'y a pas une semaine, il n'y a pas deux semaines. Il y a des gens qui ont 5 ans en prison, qui ne peuvent jamais paraître devant le juge. Et qui commettent des délits, ou bien qui commettent une contravention, ou bien pendant la police a fait travail, il était au mauvais côté, au mauvais moment. Eh bien, arrêtez-le, mais il n'y a pas jamais paraître devant le juge. Mais tout ça arrivait parce que le système judiciaire là, qui gagne deux majors ont la donnée, il y a un le ministère de la Justice, l'autre là, il est le CSPJ. Il y a beaucoup de gens qui entendent pour connaître qui gens y a distribué la justice par la population qui a payé taxes pour payer le salaire, pour payer avantages, pour payer privilèges que vous gagnez. Entre-temps, la population avec ses chefs, ce n'est pas sans raison que Fendant des présidents toujours répéter que tu restes avec le peuple. Il n'y a pas qu'à venir rien malgré tout ça. La population a des justices. Bandit que le DCPJ a arrêté, retourne dans la rue.
et c'est la justice qui l'a guéri. Pour mettre toute preuve possible et imaginable, il a plagué quand même. Pendant que l'exécutif là prend toute disposition pour le combattre l'insécurité, n'a pas encouragé la justice, qui c'est un pouvoir indépendant. Ça veut dire, l'exécutif n'a pas aucun pouvoir pour aller parler avec la justice, pour le faire travailler et bailler la population en justice. J'entendais la justice et les têtes liées, la femme aux yeux bandés, la justice à monde qui méritait la justice. Il y a quelques décisions que nous prenons dans CSPN. Direction départementale de l'Ouest, de la PNH, il faut que nous prenions des dispositions et nous mettions tout le bagage à disposition pour que la population en service, les gens, sont supposés faire. La police doit recevoir instruction pour le dégager, identifier. Côté moun yo kidnappé yo yé pour yo libérer yo sans condition et sans délai. Faut que yo mette bandi yo tout hors d'état de nuire. On a réalisé que dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, après, nous avons fait une disposition pour déteindre les véhicules, kidnapping et descendre considérablement, mais pas fléchi à zéro. Mais je te dis tout que je connais les kidnappeurs qui travaillent pour moi. J'avais dit qu'ils travaillent pour une réponse. Et c'est ça qui est là. Mais soulagement que j'ai gagné, je me rends compte que le kidnapping est fait en dehors de Port-au-Prince. J'en connais un, dans le gouvernement, dans la direction générale de la police, dans le ministère de la justice, il y a un travail pour augmenter l'effectif policier. Nous sommes déjà à 25 000 policiers, alors que jusqu'à présent, nous avons 15 000, 14,5 000, 15 000. Ça veut dire. La police par une présence dans tout coin de la République. Il y a des 10 policiers qui ont 2. Mais le gouvernement est conscient de ça et travaille sur ça. Il y a un pile zone qui est délaissée. Par exemple, côté, il y a un religieux avec plusieurs familles hier là. Son côté m'habitue à aller, m'aller là souvent. Tout comme vous avez sorti ici, là, où vous avez eu gagné. Lorsqu'il a quitté Marianne, plutôt. Vous avez pas besoin de policiers sur AXA. Et c'est dans la zone, ça y a généralement des zones de passé. Par exemple, la plaine, moi habite un peu la plaine, a un pile débouché, un pile sorti, et il est tout près frontière. Ça veut dire, nous, c'est que tout le monde, nous sommes capables d'imaginer. Qui des ordres sécuritaires qui viennent à la plaine, tout comme la zone de Carrefour, qui sont gros communes, il y a un pile de bouchers, il y a un pile des ordres qui sont faits là. Mais notre travail sur ça pour résoudre le problème. Donc, nous sommes capables de comprendre. Situation vraiment critique, mesdames, mademoiselles et messieurs. Comment t'es qu'à comprendre pour yon paquet de pays yon même à voyer de l'eau, voyer tout ya, dit, yon déclaré que yon paquet de moun que yon arrêté, moun sa ou fait 5-6 ans en prison, yon pas jamais passé devant un juge naturel. Mesdames, mademoiselles et messieurs, m'a toujours dit nous ça, c'est deux côtés pour pas battre pour entrer dans le pays d'Haïti. C'est à deux côtés ça pour battre pour pas gain problème. La justice pays d'Haïti avec pour pas malade. Parce que immédiatement, faire un compte avec des institutions, ça y est, m'a caché d'où, ou absent ou humilié, ou absent ou regret, ou demandé pour qu'ils soient haïtiens, pour qu'ils soient vivants. Parce que, mesdames, mademoiselles et messieurs, si vous avez un rendez-vous avec un juge, ou qu'on est tribunal ouvert à 8h, juge l'apparaît à 11h midi, coule des ailes virées de la caille.
Ça veut dire pas chame chita dans le tribunal pour faire travail. Et puis moun même ça y a arrêté pour décéder, ça y a arrêté pour un régime banane, toujours à bouler prison, toujours à manger prison. Tandis que l'autre gros volé au prend dans gang, dans tout le monde immédiatement yo fin prend au sortant de là, on l'argent fin en bas floup et puis yo libéré. Innocent dans prison tandis que coupable yo même a marché gros gras dans pays. Donc, madame, mademoiselles et messieurs, yon institution nous t'a supposé rele chalbare de elle en vol, li rele la justice pays. Parce que tout ça qui a passé journée jodia, nan pays, c'est pas problème gouvernement, mais c'est problème la justice. Parce que si t'es gon la justice qui sérieux, qui te connaît souvent l'argent l'État, y'a traînon la justice, et non seulement ça tout, y'a flancon en prison, qui des bagay ou pas t'a accepté fait. On prend par exemple les États-Unis. Nous songe ça qui t'est passé dans le Capitole là, eh bien, immédiatement, Joe Biden monte même, yon semaine, pour qu'on même fini, yon getan, très lèche chomp la justice, puis vin ba explication. Et ceci, si qu'elle était coupable, yon ta mettel nan prison. Est-ce que nous comprenons? Mais dans le pays d'Haïti, yon président fin volé quand il tel le volé. Après ça, li toujours gen sécurité, li toujours gen, comment on le baye ça? Inimité. Voilà. Li toujours a bénéficié des privilèges, li toujours bien à l'aise dans le pays. Ya. Et puis nous là, quand Kapetran Karibé, et nous connaît qui côté lié. La justice en quoi demandé, quand Kapetran Karibé, tandis qu'on connaît qui est pour exiger bon rapport de l'argent, et puis n'a pas laissé gouvernement se dit ces dates. Comment t'es qu'à comprendre pour la justice avant justice? Comment t'es qu'à comprendre pour un juge à passer en bas, prendre l'argent dans mes mounes pour libérer un lot? Comment t'es qu'à comprendre pour la justice en dedans pays, dans manifestation après les vives, après les abats, qu'on cause ça sorti? Et puis nous comprendre comme si tout problème pays a son problème gouvernement, non, c'est toute institution dans pays a net qui malade. Mais la justice lui-même, franchement, ma compte pour qui sa institution ça existe. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, faut que nous comprenne bien. Parce que, si vous allez tête ou la justice, moun pas qu'à toucher ses coteaux pour y'a vini. Ça veut dire, la justice ça lui-même, il vient t'en coupe. N'est capable de dire, on papa bon Dieu sous terre. Ou là pour mettre l'ordre, ou là pour placer tout bagay côté ou doit placer moun ki supposé dans prison doit dans prison, moun ki supposé sous caution, moun ki supposé libre pour yo libre. Mais pays a tête en bas à l'envers devant d'eux. Donc mesdames, mademoiselles et messieurs, et ceci de nos jours contre un paquet avocat sans conscience de l'argent seulement yo aider yo joindre l'argent tout bagay est possible. Comment comprendre pour un pays comme si pral marché? Chaque décision qui prend, ouais, nous pas casser si, ouais, mou yote paye 10 000 goud, ouais, yote 10 yote dat. Mais c'est quoi l'histoire? Donc, en ce sens, mesdames, mademoiselles et messieurs, si nous avons fait pays, la justice lui-même nous t'a supposé le relais la justice tout. Oui, même la justice s'a supposé aller en prison tout. Parce que franchement, qu'il y a des causes qui ont passé dans le pays, comment t'es qu'à comprendre? Gè de gros moun ka pote zam nan peyi a, gou paquet gros moun ka fè kidnapping nan peyi a, la justice pa ka rele yo. Kote l pral pase pou rele yo a. Parce yo tout pè mouri, yo pa ka fè travay yo, système nan korompi. Mais qui est-ce qui korompi système nan? Bon, c'est nous korompi, le kounen ap di système korompi. Adje! Peyi d'Haïti, mes amis, gè parole men pa gen bouche. Si nous pran pale, nous ka fè journée nan pale. Et puis, jusqu'à ce que nous tombions faiblesse parce que, gens que crime a augmenté dans le pays, gens que vague kidnapping a avancé, gens que assassiné moun facilement, nous ka commencé à parler là, mesdames, mademoiselles et messieurs, jusqu'à ce que nous tombions faiblesse, nous pas qu'à joindre une solution. Parce que, pays d'Haïti, c'est problème chaque grand haïtien. Et, parce que, pays d'Haïti, forme dit nous, pas de question son groupe moun qui mette là, mais c'est nous tout qui la cause, ça arrive là, journée aujourd'hui. Gros nouvelle, mon ami, bienvenue. C'est sous Tax 609 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable avancer. Zami Pao Foucault. D'abord, on a commencé programme avec dossier kidnapping. En pile réaction, mécontentement après gangamé 400 marozo kidnappé 11 moun nan communauté catholique la parmi yo 5 prêtres et 2 religieuses pendant week-end nan phénomène kidnapping nan te pran yon l'autre niveau et ou te capable recenser plusieurs cas kidnapping plusieurs côtés nan pays d'Haïti. Yon reportage Massado Vilmé depuis Port-au-Prince. Dans le pays d'Haïti, c'est flèche kidnapping qui passe suspend monter côté monde qui a pratiqué phénomène si là joine Charlie pour prendre mon yo vle.
Ça nous répété après un séculaire conférence haïtien religieux CHR publié hier dimanche 11 avril là qui fait qu'on est bandicap évolué dans commune Croix des Bouquets kidnappé pour yo cinq prêtres parmi yo un français des religieuses ak trois membres dans famille yon nan prêtre qui t'est dû installer dans Galette Chambon yon section communale dans Grandi. Yon l'autre côté quelques institutions sanitaires menacées pour camper travail contre kidnapping qui fait sous responsable médical l'hôpital Ofatma docteur André Valebon Junior moun exam kidnappé tout dans commune Delma dans journée dimanche 11 avril là. Nous doit dire gagner tout Grand Orient d'Haïti 1824 qui mandé solidarité toute frère dans secteur maçonnerie dans l'idée pour joindre libération yon officier maçonnique vénérable Yves Benoît Jean-Marie qui nan men kidnappé depuis la nuit samedi 10 avril là. Nouvelle yo fait connait policier Gerline Joseph yon agent qui fait partie unité sécurité président Jovenel Moïse joint libération 3 jours après séquestration 70 avril passé après kidnappé ou te fin recevoir quantité l'argent ou te mandé a. N'a rappelé aussi environ 140 cas kidnapping sont analyse ak recherche droits humains enregistré pour 3 mois passé. Devant situation ça plusieurs élèves différents l'école publique qui dans zone métropolitaine Port-au-Prince te manifesté journée lundi 12 avril là pour dénoncer phénomène insécurité à chaque fois plus monde dans population dans dernier jour ça yo yo phénomène insécurité qui pas fait différence l'âge et statut social et même moyen économique journée jodi à côté pays a bralé nous même élèves l'école nous concerné journée jodi à nous préparer au kidnapper pour docteur lever campé c'est pas leur kidnapper pour médecin lever campé c'est pas leur kidnapper avocat pour avocat lever campé mais c'est plutôt leur couille monde pour monde lever campé bagaille qui pile là nous même dans de plus coller yon occasion pour lycéens et lycéennes yo te profiter réclamer présence professeur dans salle de classe yo. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado Vilmé sur question enlèvement 11 membres dans communauté catholique là et ben archidiocèse Port-au-Prince sorti yon note et tant Massiado so dit côté li condamné enlèvement moun sa yo père Marc Henri Siméon prête dans diocèse Port-au-Prince a dit l'Hitler li temps pour autorité dans l'état yo prend disposition pour freiner genre de action sa yo père Marc Henri Siméon dans archidiocèse Port-au-Prince qui publié yon note sous question 1, nous trouvons que nouvel acte de kidnapping ça dans les mensages li vin rend situation encore plus alarmante. Donc c'est peut-être ça, nous publier une note pour exprimer des désarroi, non, pour exprimer colère non, en quelque sorte par rapport à cette situation ça, en façon pour nous capables de montrer clairement que Napton autorité l'état yo que gain de action qui posée, gain de décision qui prend qui à la hauteur de situation hein, pour que nous stopper descendre aux enfers ça que n'a constaté la société a jodi a parce que pour nous c'est pas seulement la vie des fidèles catholiques qui n'en mère vie sœur yo qui est important c'est la vie chaque monde indistinctement dans société a normalement depuis hier après et kidnappé yo te fin enlevé 11 monde qui était dans machine qui t'a transporté yo vers une localité qui est Galette Chambon côté yo t'a pral dans installation Père Jean Anel qui c'est un père de la société des prêtres de Saint-Jacques
Et il a contacté lui-même, Père Jean-Anel, après que il a essayé de joindre sans succès et à plusieurs reprises Monio. Lui-même, il a retourné l'appel là, il a contacté pour fixer une somme de 1 million de dollars pour être capable de libérer les gens qui sont en main. Et donc, pour l'instant, moi, pas au courant de l'évolution qui gagnait par rapport à l'échange qui a gagné avec Père Jean-Anel. Sauf que nous-mêmes, nous croyons que l'État n'est pas capable de croiser le réel pour les garder chaque famille qui est victime, chaque monde qui est victime de situation ça, et pour dégager, pour joindre libération proche, que vous kidnappez. Moi, je crois que l'État doit impliquer au-delà des décisions de pompiers pour que gagner une véritable solution qui joigne la situation ça. Donc, c'était Père Marc-Henri Siméon qui s'est prêté diocèse Port-au-Prince. Nous gagnons après-midi un rendez-vous info sous la voie de l'Amérique. Et Dr. Claude Joseph, qui est ministre Affaires étrangères dans le pays d'Haïti. Et Monsieur le ministre, bienvenue sous la voie de l'Amérique. Merci, parce que vous recevez après-midi. Hein. Et Monsieur le ministre, vous sortez des notes que. Et l'Église catholique fait sortir, ou tant un reportage là, côté que yon dit l'État croisé braille, l'État poko karive et bay sécurité. Qui j'en toute note sa yo, toute déclaration sa yo tombe dans l'oreille gouvernement, monsieur le ministre? Écoutez, nous partageons et moi, l'Église catholique, après enlèvement de religieux sa yo, nous déjà sorti une note et en ma qualité de ministre des cultes. Pour nous déplorer et nous et informer mon Dieu que depuis hier et police nationale là a travaillé pour les joindre libération sain et sauf de monde que yo kidnappé yo. Mais ça me capable dire également c'est que jodi a gagné un conseil gagné CSPN là qui t'a réuni et une priorité une qui ça qui dans menu discussion ça c'est libération religieuse mais à la fois pour nous adresser problème là de façon structurelle. Parce que nous tous connaissons que dans la période électorale, côté gouvernement, mettait cap pour organiser les élections, pour y faire référendum, eh bien, généralement, au moment ça, c'est des moments qui ont pile turbulence. Donc, je dis, nous souhaitons que eh bien, tout le monde comprenne la nécessité pour nous sortir dans un cycle de violence et de sécurité. Ça. Et l'élection, c'est un moyen qui permet nous, parce que si nous n'avons pas content avec le gouvernement, il y a une seule chance, c'est à travers l'élection pour choisir l'autre leader qui peut gouverner le pays. De telle façon que 7 février 2022, il y a un autre président qui est élu à travers les urnes qui pour remplacer le président Jovenel Moïse. Il y a une autre élection qui a défini un autre régime politique parce que 90% de la population a clairement exprimé le monde qui est dehors et le monde qui est dedans, dit que la Constitution 1987 a fait tant, il faut une nouvelle Constitution. Donc, il faut qu'on ait l'autre pacte qui pour redéfinir la société. Donc, on croit que le gouvernement mette cap sur deux chantiers, ça y est, référendum constitutionnel et élection pour permettre de sortir d'un cycle d'instabilité chronique. Ça. Docteur Claude Joseph, il y a 11 personnes que le groupe 400 Marozo kidnappé, il y a deux personnes de nationalité, de citoyenneté française. Est-ce que nous tandis que Kador Seli même gata prend un dossier en main. Et dans quel niveau nous est dans l'échange que nous gagnons avec notamment la France, mais aussi le Vatican sous enlèvement ça? Et quittez-moi pas aller dans tout détail, puisque gagnons une investigation, enquête d'État qui a mené, mais ça me capable de dire, c'est que moi-même, comme ministre des Affaires étrangères, moi déjà en contact avec le représentant de l'ambassadeur qui est ici. Et évidemment, nous travaillons ensemble pour nous capables de jouer une libération sain et sauf de monde yo kidnappé yo. Parce que c'est intolérable, c'est inacceptable et pareil à ça que de bandits hors la loi à commettre. C'est ça que fait le gouvernement, les motiver, mobiliser pour les croiser, bataille contre eux, quel que soit côté yo yé en dans société, quel que soit dans zone yo yé. Donc je dis à moi quoi que gagner. On synergie qui vous fait entre police nationale et la population pour nous arriver à résoudre le problème ça de telle sorte que non moi qui viens là pour nous organiser référendum constitutionnel là avec les élections pour effectivement au moins nous joindre
pour un climat qui est propice pour permettre mon vague activité etc. Donc définitivement moi-même moi à travailler avec partenaires et m'a travaille avec ambassadeur français etc. pour nous vraiment sortir dans situation ça parce que vraiment il est déplorable et dans notre que ministère affaires étrangères et des cultes sortir yo exprimer préoccupation yo exprimer yo partager et moi l'église catholique particulièrement conférence épiscopale là et l'annonciature pour effectivement contre et acte qui pas gain non ça qui c'est qui dans enlèvement de 11 moun m'étais capable dire là-dedans yo gagnen et deux français et monsieur le ministre il y a moun qui dit que yo focus sur 11 moun sa yo et nous connaît que grand pile moun que yo kidnappé notamment pendant weekend et gen même yon moun en franc maçon la donne et si yo du focus trop sur 11 moun sa yo peut-être parce que gen des citoyennes étrangères la donne qui sera répondre yo écoutez nous focus sur tout moun yo kidnappé yo malheureusement gen performance qui arrive a fait tout un travail à pied d'œuvre si vous voulez pour arriver permettre que moun sa yo sorti sain sauf dans mes ravisseurs yo et écoutez me quittez me dou je dis à nous en période électorale du moins préélectorale côté que généralement dans période ça gagne pile turbulence gagne pile m'étais capable d'y pêcher un autre trouble qui sorti pour yo ben transformer société a en société de non droit donc c'est l'État qui détient le monopole de la violence légitime. Donc, l'État a agi contre ravisseurs, l'a agi contre kidnappeurs, l'a agi contre gangs. Et là, nous avons besoin effectivement d'une synergie entre monde qui est dans la société, la population, avec la police, pour nous identifier tout côté pour la police si même capable de faire travail. Et docteur Claude Joseph, c'est sûr que moi j'ai l'impression, m'a fait lecture que l'église catholique capable bien apprécier le fait que ministère affaires étrangères là sorti note ça, mais il reprochait gouvernement est-ce que jusqu'à présent gouvernement pour jamais dit rien sous ça qui passé dans l'église adventiste dans Dikinian et sous ça qui passé dans Bel Air là. Nous gon note en route ou bien nous fait déjà, nous pral faire ou du moins la presse pour joindre. Écoutez, ce n'est pas tout ça que gouvernement a fait qui est sous place publique. Ça me garantit, c'est que chaque fois qu'il y a des kidnappings qui sont faits, la police nationale, la CSPN, le premier ministre, il travaille en pile pour nous permettre que les gens soient libérés. Mais pas seulement ça, pour nous capables également, et nous capables de frapper, ou du moins combattre le kidnapping. Combattre kidnappeurs et l'état fondamental pour nous comprendre que le pays a gagné un ensemble de problèmes structurels. Et problème ça, qui généralement, dans la période élection où je ne très paraît, on croit que le gouvernement a travaillé pour les résoudre ça. Par exemple, nous sommes d'accord que la Constitution 1987 a créé un climat, on est capable de dire, qui entravait le progrès démocratique. Et je dis à c'est ça que fait nous comprendre les 90% dans Mounio à travers trois sondages différents dit faut nous repenser et travail venir avec l'autre constitution. Nous comprendre toujours dis à que gain nécessité pour et by justice avec monde qui votait en 2016 yo et ça qui décidé pour voter dans élection qui vient là yo de telle sorte que pour le 7 février 2022 pour qu'on élu capable remplacer un élu. Dans un moment difficile, ça y est, faut que nous nous mettions ensemble, faut que nous transcendions les petits intérêts et ouais, Haïti d'abord. C'est malheureusement ça qui arrive. Je dis et qui te félicite, religion pour la paix, qui te félicite les protagonistes qui commencent à chita pour sous table dialogue là, pour nous capables repenser, nous capables dire ensemble, un consensus pour nous organiser l'élection. Donc dialogue a commencé, Monsieur le Ministre. Moi capable de dire que religion pour la paix d'abord ou t'es notre religion pour la paix internationale là qui est sortie et religion pour la paix Haïti a fait des efforts assez intéressants pour qu'à permettre protagonistes chita son table ensemble et ben pour rejoindre une solution à et on issue à ça d'capable de ou un passe politique je dis encore une autre fois nous relayer tout acteur
pour transcender. Parce que le président, il est clair, pas un sacrifice pour lui qui est trop lourd. C'est peut-être ça, lui-même pour lui, dialogue là, il est permanent. C'est peut-être ça, lui-même, il est toujours et ouvrir de bois à toutes les amis qui sont en opposition politique là. Pour ça qui est modéré ou bien ça qui est radical, pour nous chita ensemble, pour nous jouer nos solutions. Et quel que soit ça ou vous voulez porter sous table là, eh bien, et je crois que le président est prêt pour le tendre et pendant qu'on a respecté les règles démocratiques, eh bien, pour nous joindre une solution à la crise. À organiser les élections, organiser le référendum, bail courant 24 sur 24, c'est trois priorités année 2021. Donc ça, c'est ce que le président mettait. Monsieur le ministre, ça veut dire que journée jeudi, nous 12 avril 2021. Si nous pas jamais arriver résoudre question kidnapping insécurité, n'a pas gagné référendum quand même, n'a pas gagné élection quand même. C'est ma dernière question. Agelé. Ça qui est important, je dis à pour nous comprendre. Oui, oui, c'est ma dernière question. On va aller, monsieur le ministre. Oui, écoutez, ce qui est important, je dis à pour nous comprendre, c'est que gagner un effort considérable que le gouvernement a fait pour les couper insécurité. Parce que faut que nous garantissons la sécurité mounio les voix voter, mais il faut nous garantir la sécurité mounio chaque jour y a fonctionné. Mais également, il faut gagner un lien, peut-être on doit comprendre qu'il existait entre turbulence, entre insécurité avec période électorale. Là. C'est période côté on fait changement dans l'État, côté pour un nouveau président. Pour avoir des nouveaux ministres, pour avoir des nouveaux sénateurs, pour avoir des nouveaux députés. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la question élection parce qu'il n'y a aucun moyen pour prendre le pouvoir et à travers les élections. Il est important pour nous mentionner ça. De toute façon, ce qui est plus important, c'est ce dialogue qui est lancé et le président lui-même lui motivé pour lui jouer une solution à la situation. Ça, parce que là, au moment où on parle à vous, là, le président parle à tout acteur politique. De telle sorte que vous nous capables de nous issus à crise ça qui durait trop longtemps. Monsieur le ministre, la Voix de l'Amérique dit vous merci pour de ce côté mettre titan ça à côté pour nous te parler ensemble. C'est moi pour remercier la Voix de l'Amérique. Merci. Docteur Claude Joseph, c'est ministre Affaires étrangères. Dans le pays d'Haïti, qu'on y a nous invité au suivre une annonce service créole, service et la Voix de l'Amérique dans Washington. C'était yon annonce service public la Voix de l'Amérique nan Washington a prêté toujours dans dossier kidnapping nan côté leader mouvement parti politique troisième voie docteur Reginald Boulos critiqué pouvoir est-ce que li pa ka mette fin nan ke phénomène kidnapping nan phénomène insécurité a ouais, bah, la police là est-ce qu'en figure elle dit jodi a yo fait que la police là pipe gang que gang la police donc l'homme dit est-ce qu'en figure faut que nous rentrer policiers dans base. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui à sous 15 000 policiers, il y a 3 000 qui pas policiers vraiment, son chèque a touché, il y a 4 000 qui ont baillé sécurité pour ministre avec président, avec ancien président. Imaginez, c'est pas normal. On rentre les gens dans la police là, on baille aux bons armes, aujourd'hui à gang, il y a meilleures armes que la police. On baille aux bon entraînement et puis nous baille aux bons moyens pour la police là sentir que les gens ont un backup politique d'elle pour la déarmer, pour la désarmer, et bandit. Parallèlement tout, faut entrer dans le ghetto yo pour nous faire des programmes sociaux rapidement, programmes socio-économiques, bay moun yo crédit, son bagay ki ka fait rapidement. Moi même pas là avec un pile expert en sécurité, yo dit en 3-4 mois. En 3-4 mois, problème ça capable résoudre. Mais gouvernement ça pas ka faire, ni il pas veut faire, ni il pas même s'il ta veut faire, il pas ka faire. Bah depuis jour décide la faire là, l'a tout tombé puisque c'est gang qui a jeté. Donc faut que Jovenel sacrifie le pour pays là. S'il dit le même pays à vrai, il finit fait 4 ans et 2 mois. Ça, 8 mois, 9 mois, 10 mois après pour payer pour lui. Pendant 4 ans, il n'a pas qu'à rien. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il n'a pas qu'à rien. Que l'équité pays, que le banon au moyen pour mettre un gouvernement de technocrates, moi-même, je ne devais pas favoriser pour que ces nègres politiques qui viennent prendre poste et ici, tu es là. Nègres politiques besoin poste à l'élection. Son gouvernement de techniciens à mettre, de techniciens qui comprennent politique là, mais qui a compétence pour résoudre problème rapidement, problème de sécurité et problème mise en place élection.
Docteur Reginald Boulos, c'est leader troisième voie dans le pays d'Haïti. Il te répond une question correspondant nous dans Port-au-Prince, Renan Toussaint. L'autre point dans l'actualité, syndicat police nationale d'Haïti a exigé autorité la police fait Jean yo capable pour aller chercher corps policier qui tombé dans village de Dieu dans 12 mars dans occasion et opération policière là. Nous gain Saint-Cyr Domon qui c'est porte-parole SPNH 17 jodi a qui était rencontré avec la presse. Drame ça a été des policiers qui est mort, des policiers qui est humide, des policiers en uniforme côté que uniforme qui est traîné dans la boue, côté que c'est uniforme qui c'est symbole d'autorité de l'État. Lui-même, et qui est humilié, nous rappelons ça. Nous rappelons également que il y a encore des policiers qui sont encore à village de Dieu. Ils ont fait tout ça qui dépend de eux pour y aller chercher. Mouvement, ça nous fait aujourd'hui à la encore, c'est mon capable de rappeler tout que nous-mêmes, en dedans structure SPN 17, nous ne pouvons pas faire back sous position, nous ne pouvons pas faire back sous décision qui c'est. Al chercher corps policier sa yo qui te mouri dans le village de Dieu, que parents yo t'a demandé et yon ti zon, yon ti zon, yon ti tête, yon ti pied, pas moins pour m'enterrer, pour capable rendre un dernier hommage, pour capable dire au revoir, pour capable dire bon traverser. Nous faisons mouvement ça, nous faisons action ça aujourd'hui, c'est pour nous dire et pour nous montrer avec nation, avec comité de notre international là. Politique là a fini avec l'institution. Politique là li traîne l'institution dans la boue. Politique là li a tué jeune garçon, l'a mangé jeune garçon avec jeune femme en dedans l'institution. Et politique là pas seulement tué yo physiquement, et li tué yo également debout moralement li tué yo. Et soit regardé, nous même qui c'est SPNH 17 son structure légale, une structure qui vient gagner naissance par rapport avec des frustrations qui gagnent en dedans institution. Eh bien, nous disons, on voit comment que nous sommes capables de faire gagner des revendications pour le passé, on voit comment que nous sommes capables de matériel de travail que nous besoin pour nous capables de population seule. On voit comment que nous sommes capables de structure pour que nous capables de joindre moyens pour le travail et pour les policiers ne pas mourir n'importe qui. Saint-Cyr Domon, c'est porte-parole SPNH 17. Ou toujours sur la voie de l'Amérique, à permettre depuis Washington DC, ou à suivre. Rendez-vous, info, nous saluons tous les amis Facebook, nous. Eh bien, n'après la province, plusieurs milliers de chrétiens protestants avec plusieurs personnalités participaient dans le 85e anniversaire mission évangélique baptiste d'Haïti, MEBSH, qui était maconné à grande convention annuelle mission qui était déroulée sur 7 pour arriver 11 avril 2021 sous thème Ténèbres là, pas là pour tout le temps. Yon thème qui t'est poussé. Plusieurs conférenciers décrit situation actuelle pays d'Haïti. Yon reportage, Jean-Ernst Eliscar, depuis Okaï. Ténèbres là, pas là pour tout le temps. Donc c'était Jean-Ernst Eliscar, qui a donc un problème technique qui fait que nous pas de cas suivi, n'a pas rappelé que grande convention annuelle mission Sud d'Haïti MEBSH s'est déroulée sur 17 pour arriver 11 avril et terminant ces ténèbres là pas là pour tout temps et économiste et Edia Emile te yon nan participant yo qu'on a nous pral rejoindre Jean-Robert Philippe qui dit nous que président Joe Biden lui-même l'a essayé travail avec parlementaire démocrate con républicain pour le capable joignon entente sous plan infrastructure 2 trillions de dollars. Jean-Aubert, dis-nous plus. Effectivement, Jacques, j'en dis là, président Biden en Santa Cruz, on sort de pèlerinage dans le moment que le Congrès, le parlementaire, retourne Washington pour venir travailler avec une mission possible devant eux, une grosse mission devant eux, pour travailler sur le dossier infrastructure président Donald et président Joe Biden qui mettait devant 2 trillions de dollars ou bien 2 000 milliards de dollars. C'est un travail qui est aussi dangereux, aussi important pour l'administration.
mais c'est un travail que l'administration espère que le cap fait, même s'il partage un support républicain qui déjà a manifesté opposition, mais tout président dit que le cap va aller avec démocratie, mais il n'est pas bon pour aller seulement avec démocratie, parce que les républicains sont aussi importants pour le projet ça. Parlementaire américain retourné à Washington pour pencher sur le projet de loi 2000 milliards de dollars infrastructure président Joe Biden. Non. Président Biden est pour rencontrer avec un groupe parlementaire démocrate et républicain pour discuter financement, projet, construction, infrastructure, pont, amélioration routière, un réseau Internet, connexion rapide, train à grande vitesse avec l'autre encore. Et des Américains fait face avec même difficulté, ils ont rencontré dans le commencement de l'année à plan relance économique 1,9 trillion de dollars. Le président a eu le choix de négocier avec les républicains tout point qui gagne dans le plan et façon pour payer li ou bien continuer avec le projet avec support démocratique seulement. Pendant que le Sénat a divisé entre républicains et démocrates avec 50 membres chaque, avec possibilité de vote vice-président Kamala Harris de partager des partis. Jusqu'à présent, président Joe Biden déclaré livrer je ne supporte tous deux partis. The president is willing to negotiate what this looks like. He knows that that his current Jennifer plan Granholm, ministre énergie qui a participé dans programme ABC this week dimanche 11 avril là parlé pour dire président veut négocier plan. Dit qu'on est plan actuel là pour le changer. C'est ça qui est le compromis. Pour ça, que ce soit un plan unique ou bien un plan divisé, eh bien, les Vlichit a parlé avec les républicains. Les républicains ont manifesté opposition avec plan, ils ont dit qu'il coûtait trop cher. Ils ont opposé la façon que le président Biden a payé pour lui, tant qu'augmenter les taxes entreprises, sortir dans 21% pour mettre à 28%. Décision capable de renverser partiellement la réduction de taxes. Ancien président Donald Trump a mis en place, ça a gagné 4 ans. Les républicains ont exprimé espoir, négociation avec Biden a pu faire ça, que le plan de relance économique a été négocié avec l'administration. We are willing to negotiate with him on an infrastructure package. Sénateur républicain Roger Wicker, qui a participé dans le programme télévision ABC This Week, dimanche 11 avril, a déclaré « Nous voulons négocier avec le président sur un plan infrastructure. Chiffre d'administration a présenté dans le projet jeudi à 3 élevé, pour moi, si vous voulez comprendre. Mais négociation doit être différente que négociation ont été faites avec l'administration dans le plan de relance économique. » Société ingénieur civil américain, bas système infrastructure américain, il y a une moyenne 70% dans le dernier rapport publié. Groupe là fait qu'on ait plusieurs années sans action, la GPIA avec route, pont, en dégâts pendant que système aéroport, distribution de l'eau, système transport public là, méritait améliorer. Mesdames, mademoiselles et messieurs, merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité et patience. C'est là n'a mettez yon bout avec journal pour journée aujourd'hui. N'a croisé dans l'autre vidéo. Moi pralé m'a quitté ou n'a pas bonjour parce que c'est lui-même celle qui capable protéger ou ba ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Au revoir. À la prochaine. M'ramasse paquet moi. Cause habitant pas misé la ville. M'pralé. Mais, ma p'kito n'a bra papa bonji, parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou, ba ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.